C'est bon. Nous revoilà donc après quelques petits problèmes techniques sur la suite de Rusty Lake. On vient de finir Léonard, héros de guerre en 1914. Et là, on part sur, du coup, 1918, hiver, The Trenches avec Léonard. D'accord, donc ça doit être, je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais ça doit être les blessures, vu l'état dans lequel se trouve notre petit pote. Je vérifie que tout va bien. Donc on a une jarre, on a un wooden cup, donc c'est une tasse si on veut. Ou alors notre cher pote a pris une balle dans la jambe, dans le bras et il a le visage couvert, donc il a dû en prendre plein la tronche. J'imagine. Alors, ah oui, les pyramides coupées, on a bien l'habitude maintenant. Quelques tiroirs, un ciseau. Une paire de ciseaux, parce qu'on ne dit pas un ciseau, car un ciseau c'est un côté du ciseau. Attention, abus de langage. Ciseaux, quand on peut tout découper. Ouais, bon, il a l'air un peu mouru notre petit pote. Hein. Mais non, il est vivant, il réagit. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce baiser? Ah, puis il a une jambe coupée aussi. Le mec cumule. Ah, bah voilà la clé. Bah alors, on cache sa clé. Petit malin. Ah non, ah, j'aime pas quand ça commence à... Non, ah non, non, non. Non, les tenailles comme ça, moi, ça me... Ah, je sens qu'on va tirer sur des bouts de jambes et des trucs comme ça. Ah non, c'est peut-être pour enlever les balles. Non? Ou les boutons? Les doigts? Les jambes? Qu'est-ce qu'ils veulent que je foute avec ça? Ah, la Wooden Cups. Ah, peut-être que je prenne de l'eau. Pour nettoyer les blessures. Wooden Leg. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pris le truc qui était là, d'accord. Tu veux en prendre un autre? Non. On va lui faire une jambe de bois. Non? Bah si. Faut que je la mette dans l'eau, faut que je la désinfecte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Y a pas un truc ici? Ouais, bon, ici il y a un code spécial, mais à mon avis, ça doit être autre chose. Là, il a des poches qui s'ouvrent aussi. Il a pas d'autres poches. Je vais pas lui mettre la jambe de bois. Il réagit à rien. Non, même pas la tenaille. Ah, peut-être couper les cheveux au ciseau? Pourtant, il. Comme une flèche là. Je fais quelque chose là. Parce qu'il réagit. Est-ce que tu m'entends, Léonard? Non. Là c'est pareil. Pourquoi on peut zoomer ici? C'est bizarre quand même. Oh, on peut découper le pantalon. D'accord, donc on a trois pansements. Deux avec le nombre 4, un avec le nombre 3. Ah, on peut les bouger. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Pourquoi je peux les bouger? Ah, peut-être que je masque toutes les taches de sang. Voilà, c'était ça. Fallait que je cache toutes les taches de sang. Ouais, bon, bah. Du coup, ça a fait quoi? Parce que bon, je veux bien être sympa, mais ça m'a pas aidé à grand-chose là. Enfin, lui, il est juste content, mais. Non, non, ça a rien fait du tout. Peut-être que maintenant je peux lui mettre la jambe de bois. C'est le truc le plus inutile du monde. À moins que. Non, 6-4-4. Parce qu'on n'a rien. On a rien qui prend des chiffres. Hein. Là-dessus, à moins que je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, bah non, ça marche pas du tout. On s'est bien fait avoir. Là, je peux pas zoomer sur le bras. Et toi, tu voudrais pas réagir un peu plus? On dirait moi quand je me lève le matin, quoi. Merci beaucoup.
Ce truc avec de la flotte là. Pas... Parce qu'on a une coupe en bois. Coupe en bois, mais. Moi je pensais qu'on pourrait mettre de l'eau dedans. Mais en fait, pas du tout. Parce que le souci après, c'est que je crois qu'on peut pas découvrir par exemple le code du coffre au hasard. Parce que il y a le jeu qui détecte si on a. Si on. Par exemple, si le code est sur un bout de papier, tant que le jeu n'a pas détecté qu'on a trouvé le bout de papier, techniquement, on ne peut pas avoir trouvé la solution. Et du coup, il dit, bah non, c'est pas possible que tu l'aies trouvé. Ah mais attends, c'était peut-être 4 vers le bas. 2, 3, 4. Ce serait un peu con. Oui, voilà. Mais du coup, pourquoi là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 et 4. Et surtout, pourquoi maintenant on peut plus toucher, on peut plus le toucher? Bon, j'essaie de lui couper la moustache, de lui entenailler la moustache. Puis on peut pas accéder à sa jambe parce que j'ai de quoi lui faire une jambe de bois, hein. Mais bon, s'il m'empêche de la faire, je vais pas t'aider longtemps, bonhomme. Ah, fallait découper là pour enlever la balle. Ouais. Ok, on a retiré la balle du coup. Ouais, bon, il n'est pas plus content que ça. Est-ce qu'on peut découper ailleurs encore? Parce que du coup, tant qu'à découper, autant découper partout. Y a rien qu'à changer à côté. Non, on peut toujours pas prendre d'eau. Non plus. Bon. Peut-être temps de commencer à réagir, mon bon Léonard, parce que là, ma patience a des limites, si tu veux. Parce que là, bah, les ciseaux, la tenaille, on a utilisé, les ciseaux aussi, la wooden cup, bah aussi. Là, enfin, là pour moi, le truc que je vois direct, c'est jambe de bois sur moignon. C'est à côté, non? C'est de la tête. Ouais. Non, il doit y avoir une analyse plus profonde à faire. Que je n'ai pas encore. Puis les poches qui s'ouvrent et qui se ferment, là, ça me perturbe. Qu'est-ce. Quel est l'évidement. L'évé. Le. Comment ça s'appelle? Quel est l'élément évident que je ne vois pas? Parce que là, lui, il nous donne un certain type de réaction. Parce qu'à mon avis, il n'est pas assez content. Du coup, il ne donne pas le code qu'on veut. Qu'est-ce qui manque? C'est fou comme je dois être aveugle. Là, on a vu. Là, on a vu. Là, on a tout vu. Là, on a tout vu. Donc, techniquement, ce truc-là, voilà. On le classe comme... Fouiller, c'est bon, il n'y a plus rien à voir dessus. Le lit, ça nous mène là. Et ici, on a toujours ce truc. À mon avis, ça va contenir le. Comment ça s'appelle? Le sacrifice, là. Le truc qu'on récolte dans certains endroits. Parce que là, le wooden leg, je peux pas le remettre. Je peux pas utiliser les ciseaux. La wooden cup, je peux pas utiliser non plus. La coupe en bois, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec une coupe en bois, sérieusement? Tiens, prends un peu de coupe en bois, prends un pied de chaise, prends une tenaille, prends des ciseaux. Pas lui couper les cheveux. Enfin, ça, à mon avis, c'est juste un indicateur de il te reste des trucs à faire. Je vais essayer de découper tout son uniforme, mais je peux pas. Découper ses doigts. Sa poche, tenaille, les boutons. On peut pas couper ça là, il y a un trait. Ah, c'est sérieux, d'accord. Quel abruti. Ouais, moi je pensais qu'il fallait mettre du liquide dedans, mais du coup, non en fait. Par contre, pourquoi t'as des yeux blancs maintenant? Ah, oui. Le syndrome post-traumatique. 1914, les gars.
non, je reste là. Hein. Ah, mais je me suis fait sauter, quel abruti. Je peux pas couper le barbelé. Bon, on va être obligé d'aller voir les Martiens. Non. Mais what, mais il est. D'accord, faut que je le mette. Oh non, je sens le screamer. Non. Putain de merde. Arrête de réagir comme ça. Non, mais je. C'est bon. Je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir deux fois. La grenade. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Maison. Ouais, tu peux rentrer à la maison, j'imagine, mais. Ah, mais je vais pas encore me faire sauter à la grenade là, ça fait deux fois. Bon, bah, c'est parti pour la grenade, hein. Mais lance-la maintenant! D'accord, donc en fait on est obligé de se faire sauter pour construire après le personnage. Donc là on a. Ah non, d'accord, on a une dame ici. Hop, la dame là. Comme ça. Et le monsieur ici, comme ça. Là, il va crier encore, je suppose. Voilà. La suite de l'histoire. Bon, de toute façon, c'est le même décor, on va se refaire sauter, hein. Ouais, c'est quoi ça? C'est un homme? Un cerf? Non, l'autre. Ah, ma souris qui répond plus. Mon Dieu, au secours. C'est bon. Un homme avec des bois? Un homme cerf? Comment c'est possible? Arrête de crier! Et emmène-moi dans tes souvenirs! Et là je peux faire ça, il paraît. Ah non, je me fais sauter direct, en fait on a vraiment pas le choix. Donc là, on a Maître Corbeau sur son arbre chez Père, ce qui vient de la street. Bonjour frère! Sauve Léonard! Nous avons besoin de lui pour trouver le trésor. Prends cette clé. J'ai peur. Du coup, hop. Et là, on a la clé. Du coup, on ouvre le coffre. Qu'est-ce qu'on a dedans? Un masque à gaz. T'es au courant que la grenade, elle va sauter et ça me servira à rien. Hein. Bon, lui, il pense toujours à sa maison. On va faire sauter la grenade pour voir. Là, il perd juste sa jambe. What the fuck? Oh lolo lolo. Ah, ça va nous donner le code pour après, c'est ça? Tellement bien pensé. D'accord, donc ça va. Ah non, donc du coup, non, je m'agourus. Ah non, je m'ai pas gouru en plus. Non, ça va là-bas. Ça, c'était à gauche. Ça, du coup, c'est. Là. Là, on voit que c'est une suite ici. On finit le signe de gauche, mais ça continue à droite. Du coup, c'est le cercle. Ah oui, ah oui, ah oui, là, oh la fin ici, pour là. Ici le buste et ici la fin. Et paf. Donc c'est quoi? Flèche vers le bas, rond barré. Et un truc bizarre. Ok, comment je reprends? Arrête de crier comme ça, il me fait peur à chaque fois. Donc on a dit triangle vers le bas, le rond barré et l'étoile bizarre. Et on a un pied. On va prendre son pied. C'est tout pour moi et nous avons un nouveau sacrificeux. Nous avons un pied, ça nous fait combien? Ça nous en fait 4. 4 sur 10. Il nous manque des yeux et tout. Par contre, là, on commence à aller un petit peu trop haut, donc on va revenir sur les branches inférieures. On va revenir sur notre copain Albert. Il s'appelle aussi Vendredi, pour ceux qui ne le savent pas. Donc on a hiver 1896, donc on revient 20 ans en arrière. Le jeu du mensonge, avec Samuel, Ida, Marie et Albert.
Petit jeu rigolo entre familles, hein, dimanche soir. Mais la famille ne s'attendait pas à ce qui allait leur arriver. Okay, donc on a les trois enfants, Samuel, Emma et Albert. La photo qu'on avait prise tout à l'heure, où tout le monde faisait un sourire, et finalement non. Oula, est-ce qu'on peut revenir au début? Ok. Ma sœur est morte. Le code du locker, ça doit être je sais pas, un truc de verrouillage, commence avec 3 et 7. La clé est cachée derrière le coin droit du tableau. Ah, mais si c'est le jeu du mensonge, ça veut dire que. Ah, oui, voilà, en fait, ils ont des cartes et il y en a un qui dit la vérité, pas l'autre. La clé est cachée sous les journaux. Le démon a ma photo dans sa poche. Le locker code se finit avec 4 et 6. Oh là là, ça va être long. Mais du coup, ça peut se vérifier vite fait. Parce que lui, il dit. Oui, ça, je m'en fous. Le painting en bas à droite. Alors, painting en bas à droite. Ah! Ah bah alors. Ah bah alors. On a menti. Ah non. Peut-être celle-là. Mais il disait la vérité. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a ici? Un incident à l'hôtel de Rusty Lake. Emma Vanderbroom a été trouvée pendue. Ok. Ah, le démon. Bah, c'est qui ici? Il y a une fille qui parlait du démon là. C'était bah, l'autre à gauche là. Y a un papier sur la table. The High Priestess a toujours raison. Le démon ment toujours. Le chariot ne ment qu'une fois. The Empress tells the truth. The Empress dit la vérité qu'une fois. Regarde dehors. Ok, alors mon petit Albert, qu'as-tu à nous montrer? Je n'aime pas Ida. Mon frère n'est pas marié. Une carte est cachée. Right of the painting. C'est pas right of, c'est à la droite d'eux, je crois. Et mamie, une carte est cachée derrière, enfin en haut à gauche, dans le coin gauche de la photo. Le code finit avec 94, c'est l'été. C'est moyen l'été quand même, hein. Donc on a dit coin gauche d'une peinture. Ouais, mais ça c'est une. D'accord, bon. Du coup là il faut que je remette. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Là, il faut que je mette les cartes. Et en fait, ils représentent chacun un des éléments. Ok, donc il me manque une carte. Et du coup, pour trouver la carte, il faut que j'essaye les codes. Donc si je comprends bien, il n'y a que lui qui me donnait le début. Donc voilà, Start with 3-7. Elle me disait une fin. Gna gna, machin. Voilà, s'arrête avec 4 et 6. Bon, Spotify, tu vas pas te lancer maintenant. Se termine avec 4 et 6. Lui, il me disait aussi. Non, lui, il me disait rien du tout, en fait. Donc, du coup, c'est 3-7. Hop. Et là, donc, c'était 4 et 6. 4, 6. Non, ah. Ok, donc, c'est pas 4, 6. Donc, elle ment au moins une fois. Donc, ça, c'est 9, 4. Là, du coup, on a 9 et 4. Voilà. Donc maintenant, on a toutes les cartes. Alors. The Empress a dit la vérité une seule fois. Toi, qu'est-ce que tu nous as dit? T'as dit, ma sœur est morte. C'est possible. Là, il avait raison. Of the painting. Pour moi, c'est pas lui, The Empress. Parce on a trouvé la clé. Et il avait raison sur le début du code. Under the newspaper. Ça, c'était faux. Le démon a ma photo dans sa poche. Le démon a ma photo dans sa poche. Ah, oui. Ah.
que c'est toi le démon? Ok. Ok. Du coup, oh, c'est tellement bizarre. Du coup, le démon, c'est lui. Ok. Non, ça, c'est pas le mot. C'est elle qu'on veut. Donc, elle a faux une fois, vrai une fois, et faux une fois. Donc, elle a raison qu'une seule fois. Donc, c'est les Empress qui dit la vérité qu'une seule fois. Le démon ment tout le temps, donc lui, il avait tout le temps faux. Le chariot ment une fois. Et The High Priestess dit tout le temps la vérité. C'est plus. Mais non, mais. Ah, casse. Oui. Qui c'est qui a dit tout le temps la vérité? Toi, tu disais quoi? Ça, c'était vrai. Ça, c'était vrai. C'est l'été. C'est quoi dehors? C'est pas l'été du tout. Du coup, The Empress, c'est toi. Et le chariot, c'est toi. Ok, alors je viens juste de terminer ça, et ensuite il y a écrit regarde dehors. Et quand tu regardes dehors, il y a un mec avec une tête de cerf qui fait ultra peur. Me fais pas de mal, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Monsieur Oiseau. Ok. Donc on a un crâne de. Crainte, en tout cas, on n'a pas les bois par contre. Je pensais qu'on allait avoir tout le bousin, mais pas du tout. Mais du coup, j'en fais quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Je donne à mon bon pote qui aime bien les masques. Tiens. Bon, d'accord. Eh bien, prends donc ce masque, mon ami. Écoute. Continuons. Qu'est-ce que je voulais regarder? Oui, voilà. Vaudou était 1904 Samuel Albert et Madame Ida. Parce que je crois qu'ils sont pas encore mariés à ce moment-là. Dans la chambre de la maison. Ok, donc on a notre pote qui est très content avec son masque qui commence à péter des câbles. Ah, mais c'est ah, c'est les deux poupées qu'on a vues tout à l'heure en plus. Oh, c'est tellement perché. On peut appuyer sur l'œil. Et sur elle, on pouvait. Appuyer sur l'œil aussi, ok. Deux bocaux. Oh non, deux sacrifices d'un coup en vrai. Ce serait tellement ouf. On a une pipe. Le cri de je sais plus quoi. Enfin, la peinture. Et toi, tu penses. Ok, donc les deux pensent à des trucs bizarres. Qu'est-ce que je fais avec la pipe, moi? Je crois, faut que j'allume un truc. Ah, la bougie! C'est quoi cette musique horrible? Oh mon Dieu! Oh, je me sens tellement mal à l'aise. Les deux yeux. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, il faut appuyer un certain nombre de fois sur les yeux, je pense. Oh mon Dieu, mais c'est. Oh, cette musique! Oh. Oh, merci. Du coup, j'ai appuyé plusieurs fois. Quoi, il y a des trucs maintenant? Ok, j'ai appuyé plusieurs fois sur l'œil et maintenant le crâne auquel elle pense est cassé. On va appuyer plein de fois, hein. Voir ce que ça change. Là, j'ai réappuyé trois fois, à peu près. Et là. C'est comme s'il y avait un truc d'écrit. Et lui? Lui, ça change rien. On va continuer d'appuyer sur le crâne de monsieur. Enfin, dans son œil. Pour voir si on a quelque chose qui change. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Ah! Des programmes qui se lancent sans que je le veuille. Ça change rien. Oh, mais la musique horrible qui revient. Mais elle a toujours son truc. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est écrit en fait. Mais que j'arrive pas à voir d'ici. Oui, remonte là-haut, toi.
chose dans les poches. Parce que lui, il pense à les œils. Je comprends pas vraiment ce qu'il veut que je fasse. Je peux pas aller plus à droite encore? Ah, si, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a trois personnes. Un qui est droit, un qui bouge bizarre et un qui a la main en l'air. Quoi ça correspond? Il y a trois personnes donc ça doit être les trois là. Mais ouais. Je vois pas en fait en quoi chaque personne pourrait correspondre. Parce qu'en plus il y a endormi, un peu ouvert ou qui crie. Si je mets les trois qui crient. Ah puis non, il y a qui crie mais les yeux fermés. Oh mon Dieu. Ah si, ça doit être ça. Donc lui, il crie normalement. Elle. Ah mais elle crie normalement aussi maintenant. What? Je comprends plus rien, moi. Si j'appuie une fois sur son œil, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Il crie toujours. Et si je bourre son œil? C'est très bizarre comme phrase, mais ça a sa logique. Voilà, là on a cliqué 4 ou 5 fois, je sais plus. Maintenant. Non, c'est toujours la même tête, ouais. Et toi? C'est les yeux toujours. Parce que là, on a une poupée lambda. Là, on a une poupée sans bouche avec un truc sur le cœur. Je ne sais pas trop quoi penser, j'avoue. Parce que la forme à droite ici ressemble beaucoup en fait à une personne. Avec la, bah, les bras qui sont positionnés d'une certaine manière. Mais là, ça m'aide pas trop. À moins que ça corresponde à un truc du corps. La position des poupées peut-être. Non, ils ont tous les deux les bras le long du corps. Pareil ici. Ah non, c'est là les bras droits. C'est marrant ça. Il a toujours ces visages de cri là. Du coup, on va mettre ça comme ça. Et ouais, non, là, je vois pas trop les indices qui sembleraient s'être dissimulés. À mon avis, il faudrait que. Ça me serve à trouver à qui ça correspond. Ça, je pense que c'est le mari, du coup. Il faudrait que je vois comment comprendre les autres indices. Toi, qu'est-ce que t'as à me dire? Ah, mais voilà, ça revient encore là. Bizarre. Est-ce que c'est en fonction de ce que je change ici? Apparemment non. Revenons là. J'ai cliqué une fois sur l'œil. Lui ne change jamais. Et elle ne change jamais non plus. Je dois vous avouer que c'est assez intrigant. Le pourquoi du comment ça marche pas. Là, le bonhomme tout droit, pour moi, c'est le mari. Du coup, il a peur comme ça. Là, ça regarde et là, c'est comme ça. Non. Mais bon Dieu, mais donnez-moi un indice au moins. Je vois pas comme un teuteux là, rien comprendre. Oui, les yeux. Surtout qu'on a un œil gauche. Ah, oh, je l'ai allumé. D'accord. Bon, bah lui, je l'ai allumé. Ok. Donc ça a allumé son cheveu, donc du coup on sait que lui ça correspond à l'autre à droite, enfin au mec. Et ça je peux l'allumer aussi, du coup. Une mèche peut-être? Non. Le cœur. Et du coup ça fait quoi? Maintenant que je sais qui c'est, est-ce que ça fait quelque chose si je touche son œil? J'ai pas l'impression, hein.
L'impression que ça ne fait rien. Ah, je peux tout allumer, ok. D'accord. What the fuck? Donc là, lui, il pense toujours à la peur. Ah, la clé. Ah, d'accord, oui. Il a touché, en fait, la haute corde avec sa main pour faire tomber la lanterne. Par contre, il crame, hein. Ça, faut qu'il commence à se rendre compte, le pépère. Hein. Donc, on ouvre. On a une aiguille. Oh non, mais non, bah oui. Bah oui, forcément, on fait du vaudou. Vaudou sans aiguille, ça marche pas. Ici. Ah, et ça va nous donner la position des bras. Donc, soit c'est droit. L'autre, c'était celui-là en haut, celui-là en bas. Et l'autre, c'était celui-là en haut, celui-là en bas. Mais non, mais c'est pas du tout. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Attendez une seconde. L'autre, il est dans quelle position? Ah, et l'autre, je peux encore bouger ses bras. Waouh, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que je suis censé en faire? Bon, par contre, il pense plus à rien. Hein. Clairement. Non, mais il doit falloir que je les mette dans une certaine position. Là, toi, tu penses à quoi? Ouais, les yeux, toujours. Je mets les deux en l'air. Et lui, pareil. Là, les deux sont en l'air. Ah, là, elle avait un œil fermé tout à l'heure. Genre, si je fais ça. Ok, donc ça change l'air de son visage. C'est vraiment étrange. Je mets son bras en bas. Elle a les yeux fermés. Si je remonte en haut et que je baisse celui de droite, elle a toujours les yeux fermés. Si je baisse à fond celui de droite, elle a les yeux ouverts. C'est impressionnant à quel point je comprends rien. Puis le fait de pouvoir appuyer sur l'œil là, ça me tue. Par contre, lui, on peut bouger ses bras, y a aucune réaction quoi. Il faut que j'appuie sur l'œil en même temps. Mais je comprends pas pourquoi je peux bouger ses bras et sans savoir ce que ça fait. Cette musique horrible qui me fait peur là. Réfléchissons. On va boire un petit peu d'eau, ça va m'éclaircir l'esprit. Alors, on peut bouger leurs bras. Et selon comment sont positionnés les bras de la fille, son visage change. C'est-à-dire que si je les mets droit tous les deux. Ah bah oui, c'est ça en fait, je suis bête. Là, elle a les bras droits. Donc c'est bouche neutre. Enfin, neutre comme ça. Ensuite, si je fais la position là, donc droit en l'air, gauche en bas. Droit en l'air. Gauche en bas, comme ça. Et on va faire une certaine tête. Et il faut que je la retranscrive là-dessus. Donc là, c'est la bouche ouverte, les yeux fermés. Et ensuite, c'est droit baissé, gauche milieu. Hop. Donc on a dit droit baissé, gauche milieu. Et là, elle est neutre aussi. Non, neutre. Non, tout fermé, comme ça. Voilà, c'était ça. Ok, donc des ciseaux. Qu'est-ce que je fais ensuite? Lui, il veut toujours ses yeux. Hein. Ok, donc on a eu un. Ah! Bah oui, comme c'est des poupées vaudou, ça découpe en vrai.
Merci, succès déverrouillé, l'œil. Oh, du coup, les deux sont morts. Oh là là, mais c'est affreux. C'est quand même un peu dérangé comme jeu. Bon. Alors, le 3, 4, 5, 6 sacrifices. Et si ça, c'est pas une belle montée quand même? C'est fou. The Brood. On passe avec Albert seulement. The Brood, je sais pas ce que c'est, on est en été 1909. D'accord, ouais, ça doit être la cave ou un truc comme ça. Qu'as-tu à nous dire, mon petit? Je veux un bocal. Un petit bocal. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Si je mets un truc bizarre avec de l'eau dans un tube, ça fait des signes japonais, d'accord. Okay, donc on a toute l'installation. Peut faire couler de l'eau. Ok, donc ça tombe ici, j'ai l'impression. Ouais. Faudra mettre un truc là. Ah oui, ça j'avais déjà vu dans d'autres jeux. D'autres jeux du même genre. Qu'est-ce qu'on a? Une potato. Un œuf? C'est un œuf ça? Jeu de mots quoi. C'est un œuf de quoi? Et une photo de Ida, je crois. Du coup, si je mets l'œuf ici. Je fasse comme ça. Re-regardons le plan parce que je ne m'en souviens plus. Ouais, d'accord, donc c'est le mélange des trois. Donc il faut que les trois arrivent ici. Donc là, il faut que ça remonte comme ça. Là, que ça redescende comme ça. Que ça vienne ici. Non, pas du tout, il faut que ça vienne comme ça. J'ai un petit doute. En vrai, j'ai un petit doute. Parce que là, ça va venir. Enfin, ça va repartir dans l'autre sens, en fait. Moi, je le fasse remonter comme ça. Et que ça passe là. Et du coup, ça arrive là. Si je fais ça. Ok, donc là, on l'a mis. Ensuite, il faut que je foute de la flotte. Donc là, ça passe ici. Ça passe comme ça. Donc là, on met de l'eau. Là, on a de l'eau maintenant. Et ah, faut que j'allume ici. Comment je fais pour allumer? Pas un truc là? Une main. Bonjour. Comment tu vas? Ah, tu veux une potate? Tiens, prends ta potate. Merci. Tu m'as donné Flint. Comme le capitaine? Capitaine Flint? Ah, ça doit être des silex. Voilà, comme ça on allume. Ah oui, du coup ça fait hop, ça remonte comme ça va là, comme ça, on arrive ici. Faut que je fasse. Non? Non, faut que je fasse remonter comme ça pour que ça passe là. Non, comme ça remonte ici. Ça j'envoie là. Non, ça marche pas comme ça. Ah non, comme ça? Ah ouais, mais là. Non, parce que là ça passe, ça arrive dans celui-là, mais c'est pas encore assez. Ben, je pense que du coup celui-là passe bien, mais lui après il faut que je le re-règle ailleurs. Parce que là si je le fais passer comme ça, il va passer là. Et on a re le même problème que tout à l'heure. Il peut passer ici, ensuite il peut passer sur le côté, mais il tombe dans le vide. Après si je le fais remonter. Non, si je le fais remonter, de toute façon, il tombe dans le vide ici. Parce que là, c'était juste pour la graine. Enfin, pour l'œuf. Et maintenant, ça a un puits d'impact. Parce que là, voilà. Si je fais tourner la flotte, ça tombe. Ouais, ça indique même pas où ça tombe parce que c'est nul. Du coup, on peut essayer par là. Ou du coup, ça tourne là. Comme ça. Ça passe ici. Ouais, mais du coup, après, au final, j'arrive à la même chose quoi. Enfin, je le fais tourner là, comme ça. Et ouais, non, ça change genre juste rien. Ouais. Ou alors, il faut que je change le reste. C'est-à-dire que là, je le fais tourner comme ça. Et là, du coup, là, j'envoie de la flotte. Là, du coup, ça passe ici, et ça.
En fait, c'est le côté-là que j'arrive pas à optimiser parce que là, il faut que ça fasse obligatoirement comme ça. Comme ça, comme ça. Bah voilà! Et ben voilà! Là, on a tout. On a de l'eau, on a du liquide bizarre. Et bah on a obtenu ça. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il veut toujours son bocal. Comment je peux faire? Ok, donc on a le pot. Et il faut que je mette où le pot? Ah, faut peut-être que j'arrête. Non, bah non. Comment je récupère le contenu du milieu là? Ah mais non, t'es en train de me dire qu'il faut que ça arrive seulement d'un... Ah, faut que l'eau vienne de la droite et que l'autre vienne de la gauche, merde. On va faire comme ça. Comme ça. Non, merde. J'ai raté. Faut que ça se... Donc là, l'eau vient de la gauche et il faut que l'eau vienne de la droite. Pour que l'eau vienne de la droite, il faut que ça soit comme ça, comme ça. Hop. Du coup, il faut que ça fasse comme ça. Donc là, l'eau est à droite et le truc est à gauche. Ok. Mais là, on est bon. Là, on a voilà le liquide qui vient de la gauche et l'autre qui vient de la droite. Et l'œuf qui est arrivé au milieu. Ah, mais il y a une goutte là! C'est quoi ça? C'est quoi cette espèce de goutte bizarre? Voilà un élément que je n'avais pas vu. Toi, t'as pas un autre truc à me donner? T'as eu ta patate, tu veux pas me donner autre chose? Ah, d'accord. Donc la petite goutte, c'était du sperme. D'accord. Bon bah tiens. Voilà ta goutte de sperme. Ah zut. Alors la goutte de sperme, elle passe là. Hop, elle passe comme ça. Elle arrive là. Et il faut que je change ça comme ça. Hop. Normalement, là. Voilà. Et maintenant, je change ça comme ça. Ah non, zut, oui, comme ça. What? Nous avons trouvé le secret de la naissance. Le chérubin. Bon, eh bien. Maintenant, on va découvrir un nouveau perso. Mais on va faire une pause dans cette VOD ici. Voilà, on a découvert pas mal de trucs. On a découvert le secret du chérubin et quatre nouveaux sacrifices. Si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire pour me dire voilà, ce que vous en avez pensé globalement. Et si vous avez un avis particulier à dire, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Et on se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt!